héros des enfants. Toujours souriant avec ses amis, vous oublierez tous vos ennuis. Oh Casper, le petit fantôme, il a envie de jouer et de s'amuser. Si vous êtes tous là, alors il vous le montrera. Y'a le canard qui fait la fête avec le petit étard, et le corbeau, c'est le bouquet qui se croit le plus beau. La petite Audrey jolie a croqué la souris, le chat qui se prennent pour des rois. Oui, Casper a des amis qui avec lui font les fous, mais il rêve toujours d'en connaître d'autres. Dans ce cas, pourquoi pas l'un de vous? Tu as vu, Casper, la belle voiture? Oh, c'est épouvantable ce que vous avez fait! C'est très vilain de voler les voitures! On l'a pas volé, on nous l'a donné! Mais pourquoi? Il nous a dit qu'il en avait assez! Franchement, je ne comprends pas! Allez, arrêtez de poser des questions et à faire un tour! Vous savez, tout ce que j'espère, c'est que vous n'ayez rien fait de mal. Casper, t'es un trouble-fête. On va aller voir notre ami et tu lui demanderas. Tiens, regarde, il est là. Il a dit qu'il s'appelait Gros Bilb. Vous voulez dire que vous avez pris la voiture de ce pauvre monsieur? Lui, pauvre! Arrête, je te signale qu'il est milliardaire. Veuillez m'excuser, monsieur. Est-ce que c'est vrai que vous êtes un milliardaire? Ah ben, c'est fantastique. Après les trois grandes désirables, un diamant en tête d'oreiller. Monsieur, vous leur avez vraiment donné cette belle voiture? Bien sûr, tout le monde sait à quel point j'adorerais rire et plaisanter. En se déguisant en clown, ils m'ont fait rire, alors je leur ai donné ma voiture. Alors, est-ce que tu nous crois maintenant? Attention, petit. Le Gros Bill ne rit pas deux fois la même plaisanterie. Et cette histoire de drap et de tête d'oreiller commence à m'ennuyer. Allez-vous-en, hein? Il vous a pris pour des clowns déguisés avec des draps. Quoi? Nous, des clowns? Écoutez, gros malin, vous savez qui on est, nous? On est des fantômes. Des fantômes? Ouais. Oh, arrêtez! Il a été tellement gentil avec vous. Oh, on peut dire que vous êtes très fort. Vous avez réussi à me donner chair de poule. Grâce à vous, aujourd'hui, je me suis pas ennuyé. Alors, je vous engage. À partir de maintenant, suivez-moi partout. Et si je m'ennuie, faites-moi peur. Je vous l'ai déjà dit, je n'aurai jamais deux fois la même plaisanterie. Vous êtes renvoyé. Tenez, voilà de quoi porter vos draps à la teinturerie. Monsieur, est-ce que je peux un peu vous aider? Ouais, tu veux m'aider toi? Moi qui suis milliardaire. Mais ça ne fait rien, je peux essayer. Que font les fantômes pour s'amuser? Eh bien, la majorité des fantômes font peur aux gens, mais moi... Ah, c'est une excellente idée. Bien, on va faire peur aux gens, alors. Mais je suis un gentil petit fantôme. Hé, monsieur! Bouh! Ne craignez rien, il fait ça pour rire. Un fantôme! Tu as été très efficace, bravo. Dans le fond, c'est pas très compliqué. J'ai bien envie d'essayer. Bouh! Bouh-vous-même! Merde! Vous ne ressemblez pas vraiment à un fantôme. Dis, la mule, hein? Une sorcière sur un balai. C'est Lulu aux doigts crochus, la sorcière dépensière. Qui c'est qui parle de moi? Écoutez, Lulu, si vous me faites faire un tour de balai, ben, je vous donnerai 1000 dollars. Pour quelques billets de plus, t'auras un tour gratis. Gros Bill, n'y allez pas! Hé, hey, mais moi, ça me plaît beaucoup, ça. Gros Bill! Attention, doigt crochu de Lulu! Écoutez-moi, sorcière, je vous donne 1 million de dollars pour ce balai. Et où vas-tu trouver ce 1 million de dollars? J'ai un don pour trouver beaucoup d'argent. Tout ce que j'ai à faire, c'est claquer les doigts. Abracadabra, dis si tu te maries avec moi. Mais non, hé, oh! Oh! Je vous donne 2 millions de dollars et oublions tout. 2 millions, quelle merveille! Mais ce serait ridicule. Si je suis ta femme, j'en aurais encore beaucoup plus. Au secours! Casper, au secours! Lulu, lâchez-le! Toi, je te conseille de ne pas t'emmêler. Si tu fais quoi que ce soit, je te priverai de tous tes pouvoirs. N'écoute pas, Casper, je t'achèterai 1 million de draps et des têtes d'oreiller. Avec notre argent, pas question. Alors, mon chéri, tu aimes le château de notre lune de miel? Casper! Il faut pas que je perde mes pouvoirs, sinon je ne pourrai jamais l'aider. Comme ça, tu ne te sauveras pas tout à l'heure. Prudence, il faut pas qu'elle me voie. Qui aurait cru que je serais une jeune mariée? Allô, maman, j'ai mis la main sur un homme et il a des sous pleins les poches. On va se marier demain, oui. Je mettrai une longue robe noire et un voile de milliers de toiles d'araignée. Robin, qu'est-ce que vous faites? Je fais de l'argent pour pouvoir sortir d'ici. C'est l'argent qui vous a mis dans cette situation, n'oubliez pas.
Oui, t'as bien raison. Si vous continuez à faire de l'argent, vous resterez le prisonnier de Lulu au doigt crochu. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je vais trouver une solution. Ah ben, si seulement j'avais pas tellement grossi. Essayez de gratter, les pierres s'effritent. Oh, tant mieux, j'adore les frites. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Attention, Casper, ça va souffler! Oh, le maître des vents! Vous avez l'air pressé, grand maître des vents. Non, pas du tout, je suis même à l'avance, pourquoi? Ça ne vous ennuierait pas de m'aider à sauver un de mes amis des doigts crochus de Lulu? Bien sûr que non! Que dois-je faire? Admets, maman, et sois à l'air. Mon argent! Rendez-moi mon argent! Casper, je suis enfin libre! Tenez, j'ai emprunté un de ses balais. Elle passera une centaine d'années à récupérer son argent. Casper, je t'offrirai tout ce que tu voudras. Dis-moi ce qui te fait plaisir et tu l'auras. Je veux ce qui n'a pas de prix. Votre amitié.